Bonjour à tous et à toutes. Déjà, j'étais à m'excuser pour, pour cette longue absence. Enfin, pour ceux qui me suivent, j'ai enfin reçu mes fameuses toiles mystères. Donc, je vais vous en présenter une aujourd'hui, en fait, parce qu'elle n'était pas dans le carton. Il y avait deux dans le carton qui font 30-40 que je vous présenterai au moment où je les ferai. Donc, je pense que du coup, je vais attaquer celle-ci malgré tous mes encours parce qu'elle n'était pas dans un carton. Elle était dans un état, comme vous pouvez le voir, pas top. En fait, elle entourait les cartons et les diamants qui sont ici. Donc, j'ai déjà préparé ma boîte. Dedans cette toile, il y avait ceci. Parce que dans les deux autres qui sont plus petites, il y avait un macaron, une coupelle rose que je vous présenterai au moment où je les ferai. Et vu que je ne suis pas comme tout le monde, j'ai déjà tout préparé, presque. Je n'ai pas encore mis les diamants dans la boîte, mais la boîte, j'ai préparé en fait. Voici comment ça se présente. Donc, comme je vous dis, il n'y avait pas de carton en fait. Voilà, donc je vais pouvoir essayer de rattraper ce qui est abîmé. Je vais vous montrer les couleurs. Je vous ferai une prochaine vidéo prochainement. J'ai essayé de faire en étant régulière maintenant pour vous présenter la mini entreprise 3D Art RNL qui a été créée par Alison et Alexis, si je ne me trompe pas, qui font des coupelles, des stylets, aussi des lampes personnalisées pour l'instant. Parce que vu à la vitesse où vont ces idées. Elle est ça n'arrête pas. Donc je vous mettrai quand même le lien. Ils ont une page sur Etsy, une page sur Facebook. Donc je mettrai quand même le lien en barre d'infos, mais prochainement je vous ferai une vidéo en vous présentant ce que moi j'ai en ma possession. Voilà. Donc les diamants, il me manque un sachet. En fait, je l'ai, mais il a été éventré. Voilà. Donc je ne sais pas si j'aurai assez de cette couleur. Pour l'instant, j'ai regardé ce que j'avais. Tous les derniers DP que j'ai fait, je ne l'ai pas. Pourtant, c'est une couleur très foncée, hein. Donc voilà. Donc là, c'est trois couleurs différentes, mais c'est quand même des couleurs foncées. Moi, qu'espérais avoir des couleurs flashy. C'est la seule où il y a des couleurs flashy. Les autres, c'est des couleurs neutres. Ça ne changera pas trop au final. Donc voilà, il y a un marron. Après, je vous ferai une vidéo en commençant le DP. C'est des diamants carrés, hein. Ça a été commandé sur AliExpress. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de cette toile. Parce que les autres en 30-40, c'est pas le même. D'où le macaron et le stylet et la coupelle qui sont différents. Ici, je sais pas si je vous l'ai montré. C'est les basiques. Bon, comme disent beaucoup, enfin moi perso, ça me dérange pas, j'arrive à les utiliser. Je vous montrerai en vidéo d'ailleurs. J'ai utilisé ce kit pour la vidéo. Voici d'autres couleurs. Il y a beaucoup de bleu. Je vais les sortir, de toute façon, on va faire que je les mette dans les boîtes. Il y a 25 couleurs. Bon, je vous montre en rapide, hein, parce que bon. C'est des diamants, hein. Ils ont l'air bien taillés. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop de déchets. Ah, mais ce bleu. Ces deux bleus-là, j'adore. Je les adore. Ils ne sont pas identiques, mais j'adore. La couleur principale de ce DP est celle-ci. Il y a 27 sachets. Voilà. Ah, mais ben, toi, j'aime pas faire ça, mais vu que je vais le faire, je vais enlever le papier. Puis on verra si on voit quelque chose en motif. Donc voilà, bon, ben après. Non, il y a une jolie couleur. Il n'y a pas 310, mais il y a du 939. Après, 823 aussi. Donc bon. Comme dirait Charlotte, 1310, bon, ben, ouais, hein, que dire?
n'y a pas 310 dans celle-ci. Allez, on va la défaire. Dans quel sens elle se tient? Apparemment, vous voyez, c'est un carnage. Hein. C'est parce qu'il l'a emballé. Hein. Donc voici. On va la défaire. Alors, il y a deux bandes. Alors, par contre, les signes qui se présentent dessus, oh là là, c'est pas des symboles que j'aime bien. Je vais me foirer, je sens que je sorte pas tout. C'est la première fois que je fais ça. J'ai jamais défait mes DP comme ça. Jamais. Hop. Voilà. Donc, après, je mettrai mes diamants dans les pots et je commence, mais pas dans la vidéo, c'est pas la peine. Et après je ferai avec vous le début. Bon, là, il y a un genre de soleil, je sais pas si vous voyez. Alors attendez, je vais me déplacer avec le reflet. Est-ce que vous voyez ce que ça peut être? Un dragon? Bon, je suis pas forte pour le mystère, moi. Un poisson, peut-être. Poisson volant. Je sais pas. Dites-moi si vous savez, si vous avez une idée. Vous voyez, la toile, elle est un peu abîmée. Dans les boîtes, elles sont pas abîmées, les 30-40 ans. Donc, voilà. Bon, je vais mettre les diamants en pot. Et je vous retrouve tout de suite pour attaquer le DP. Bon, voilà, les diamants sont prêts, donc je vais attaquer, je vais faire un rapide. Ce sera un peu plus sympathique pour regarder après avec un peu de musique. Et je vous reprends à la fin de cette vidéo. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost, there's nowhere else to go. All I do is fall, feels like I can make it, more than I could bear, giving up is all that... Bon, alors voilà le résultat. Donc déjà la toile, comme vous avez vu, elle était abîmée et elle est hyper fine. Les diamants ont l'air plutôt bien, mais là, en fait, quand on allume la tablette, je vais y arriver, hein. On se dit que c'est plutôt pas mal, et quand on l'éteint, je reste mitigé. C'est comme l'impression dessous, c'est tout gris, du coup on voit à travers les diamants le noir, donc je suis mitigé. À voir par la suite, je ferai d'autres. Vous voyez la forme de la toile, elle est pas plate, hein, parce qu'elle a été abîmée. Excusez-moi, je bouge. Elle a été abîmée. Donc, à voir. Je ferai d'autres vidéos dessus sur l'avancée. Et je vous dirai ça. Mais évidemment, je les mets droit, mais ils se mettent de travers à cause de la forme de la toile, en fait. C'est pénible. C'est dommage. Bon, c'est moins cher que Cathawed, hein. Mais Cathawed, leur toile a été hyper épaisse. Les diamants impeccables, donc c'est sûr que voilà, comme on dit, hein, vous voulez de la qualité, il faut mettre le prix. Vous en fichez, ne mettez pas. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien de cette toile, pas les autres, c'est pas le même. Voilà. Et je vous rappelle que je vous mets le lien de 3D Art RL. Plus de cette toile. Donc après, du coup, le vendeur, je sais pas si c'est toutes ces toiles qui sont comme ça ou c'est que la mystère. En fait, à la limite, il faudra que je teste une des autres mystères. Mais bon, voilà. Et puis, je sais pas l'image, ce que ça peut être. On verra bien. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Merci. À bientôt.